Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mardi 28 novembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif le plus fort et celui que je nourrirai le plus. Eh bien aujourd'hui, j'ai pigé la fille de la terre, créativité. Alors, terre, c'est au niveau physique, n'est-ce pas? C'est au niveau du physique. L'essence de cette carte, eh bien, ça peut parler d'une grossesse, d'une naissance. Ça peut parler de la patience, de la force féminine, de la beauté, de l'adresse manuelle. Et ça peut parfois aussi parler d'attachement trop fort au passé. Le message intérieur, vous vous trouvez, pour certains d'entre vous, encore une fois, ça parlera à certains, ça ne parlera pas à d'autres, n'est-ce pas? Alors, vous vous trouvez dans une phase de gestation avec vous-même. Des talents qui s'avéraient productifs jusqu'à présent, eh bien, sont en train de s'épanouir. Donnez à votre création intérieure ce bel espace dont elle a besoin pour se manifester extérieurement. Vous avez besoin pour cela, eh bien, de calme et surtout de la patience. Vous savez, tout est pour le mieux présentement. Tout peut maintenant se développer de façon très, très, très positive si vous n'écoutez que vous-même et si vous vous accordez de circuler selon votre rythme de vie. La manifestation extérieure, eh bien, pour certains d'entre vous, une phase extrêmement créative commence. Ça commence pour vous à beaucoup de niveaux différents. Il est également possible que vous souhaitiez très fort, mais très très fort, avoir un enfant. Alors, examinez vos vraies motivations. Regardez si le souhait d'être mère ne peut être satisfait que par un enfant de vous. Ressentez au plus profond de vous-même ce que « être mère » signifie vraiment pour vous. Même les images, les livres, les sculptures, la musique, la poésie ou un jardin entretenu avec amour sont vos enfants spirituels et qui de par votre force et votre sensibilité pour la beauté et l'esthétique, eh bien, forme l'expression de votre être qui se répand ainsi sur d'autres personnes. En tous les cas, cette carte, elle est là pour vous dire que vous avez une force intérieure, vraiment cette force féminine, qui vous fait avancer dans votre projet. Vous savez, ça peut être une gestation, au point de vue évidemment d'une grossesse, d'une naissance, mais ça peut être une gestation au point de vue de professionnel, de ce que vous désirez, de ce que vous voudriez faire. Vous avez peut-être
quelque chose en tête, eh bien mettez-le sur pied, parce que c'est vraiment l'essence de cette carte, c'est vraiment vous dire allez-y. Allez-y, il y a vraiment une belle gestation qui va se concrétiser. Maintenant, si c'est au point de vue sentimental, vous ressentez peut-être des petits papillons dans votre ventre ou une certaine affinité avec quelqu'un. Réfléchissez, ne prenez pas en compte ce que les autres vous disent. Ayez confiance en votre petite voix féminine, votre force féminine, votre petite voix féminine, parce qu'elle, elle est juste. Donc, c'est peut-être l'occasion, eh bien, de faire le premier pas. Très beau message, on termine par l'oracle de l'évolution. Quand une période n'est pas bénéfique, c'est qu'une autre action est plus propice. Tu n'es pas allé dans le bon sens. Demi-tour, rotation, interne, changement de perception. Quelque chose doit se transformer pour avancer et vite. Voilà, votre gestation, peut-être qu'il y a quelque chose qui doit se transformer pour avancer un petit peu plus vite. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain. Et d'ici là, je vous embrasse. Portez-vous bien. À demain.